Allez, on est parti, let's go les potes, j'espère que vous allez bien. C'était le mode architecte, donc mode architecte qui vient d'arriver, donc il est arrivé à l'instant. Le principe c'est que quand tu poses un mur, tout le monde peut l'éditer, donc pourquoi pas. Écoute, c'est un changement de la part d'Epic Games, ou tente un truc. Yo les potes, nouvelle vidéo sur le mode architecte, et vous allez voir, c'est une game vraiment sympa parce que j'ai fait trois techniques un peu avancées et ma mère est passée sur la game, malheureusement elle est tombée au mauvais moment. Je pense que la vidéo devrait vous faire marrer, ma mère qui était un petit peu choquée, et vous allez voir que les techniques que j'ai utilisées, je pense que vous devrez vous servir aussi dans les games. Profitez bien, donc le mode architecte c'est quoi? C'est un mode dans lequel on peut éditer toutes les structures. En gros, Epic Games fait un test pour les futurs tournois. Et n'oubliez pas le code CREATORSKYART si vous voulez participer tout simplement à la Switch ou à la PS4. Donc, code CREATORSKYART. Pour février, les gars, tous les 20 000 personnes qui mettent mon code CREATORSKYART, eh bien, je donnerai une PS4 en plus pour le mois de février. On fera des paliers comme ça. Comme ça, ce sera un travail d'équipe, les gars. Plus vous allez mettre le code créateur, plus vous gagnerez de console. Donc, merci beaucoup du soutien, les potes. Et enjoy, bonne vidéo, les potes. On peut pas leur en vouloir. C'est une test, un truc, je pense. L'idée, je pense, c'est pour voir si est-ce que les gens peuvent se tuer vachement vite ou pas. Donc là clairement quand tu poses un mur il est pas à toi, il est à tout le monde en gros quoi. C'est comme si t'étais dans la même équipe. Donc intéressant. Je me rends pas compte de ce que ça va changer ou pas. Donc on va voir, on va découvrir ça tout de suite. Donc let's go. Et après on testera vos maps créatives comme tous les mardis. Donc j'insiste, c'est uniquement le mardi. Fuyons. Oula, il y en a 5, il y a forcément un vrai, il y a forcément un vrai, parce qu'il y a 5 bonhommes de neige. Attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, mec, s'il y avait eu que des faux, il y en aurait eu 4. Donc là, 10 contre 1, il y a un vrai. Cadeau. Ok, tu courras sans montage, non, je rigole. Ok, gars, putain, je croyais que j'étais un génie, je suis dégoûté. Quoi? Ah, il a utilisé les 5 et il s'est mis dans aucun d'entre eux. Ah putain, c'est vrai, on peut les avancer tous les 5. Ah désolé, je suis trop con. Bon, ma réflexion était nulle à chier en fait. Je croyais que... merci pour le sub, bro. Aïe.com 974, bienvenue à toi, la réunion. Merci beaucoup, bro. Et Fireman, merci à toi. Merde, ah, je suis trop con. En gros, j'ai oublié qu'on pouvait y balancer les 5. Je me suis dit, il en a balancé 4 pour fake et c'est l'un des 5, tu vois. Mais pas du tout. Ok, bon bah, je suis juste full con. Alors, il m'a complètement brain. En vrai, faut que je fasse une vidéo où on troll à mort avec les trucs, les petits bonhommes de neige. En vrai c'est marrant. Je trouve ça changement pour le coup, je trouve ça relativement fort. Il y a une technique que je vous montrerai bientôt si elle marche encore, parce qu'ils l'ont peut-être fixé. Et let's go. Alors il y a un rocket. En vrai j'ai envie de prendre le rocket pour avoir des balles, mais j'avoue j'ai la flemme de... Oh, franchement j'ai la flemme d'aller looter des trucs de balles et tout. Oh, ça va me casser les couilles. Allez, je vais le prendre quand même. Je vais le prendre quand même pour une seule raison, c'est que c'est juste trop fort en fait. Donc l'avantage du rocket c'est que ça permet de raccourcir les fights puissance 1000. On va tirer dessus là non? Ou j'ai fantasmé qu'il y a un mec? Ah, il y a bien un mec, nice. Alors, j'ai pas si j'ai édité un mur d'un adversaire tout à l'heure. Voilà, lui il est rincé comme la Pologne. Yes. Waouh, un point, quel talent. Pas du tout. Hop là. C'est bonheur qu'il n'y ait plus de brouillard. Ah, ça, je suis bien d'accord. Enfin, le brouillard, vraiment, j'ai pas aimé du tout quoi. Le brouillard, j'ai trouvé ça nul à chier quoi, comme idée. J'ai vraiment trouvé ça merdique. Après bon c'est pas grave, c'était un truc temporaire donc on l'habite, on s'en bat les couilles. Mais j'avoue que j'ai pas trouvé ça ouf. Donc là par contre le fait d'éditer les structures adverses, je sais pas quoi en penser. Personnellement je trouve que c'est pas nécessaire, mais je comprends pourquoi ils le font. Je pense qu'ils le font c'est pour éviter qu'en late game tout le monde se boxe. Quand t'es boxé t'es ultra safe. Ah il est là, on va pouvoir faire pause, on va pouvoir aller ouvrir la porte. Il a trouvé tout seul putain. C'est un génie les gars, on est content. C'est le boss. Et bah écoutez il était très sympa et en plus c'était un putain de génie gros. Croyez-le ou non, mais il y a moins d'un mec sur 15 qui trouve tout seul. Donc, non, allez, j'exagère. Je pense qu'il y a un mec sur 6 qui trouve tout seul. On doit manger maintenant, mais ça vient le best. Bah, clairement, GG, gros. Franchement, après, à la décharge des gens, c'est. Trouver tout seul, c'est pas évident. C'est pas difficile. Mais déjà, un, il faut bien lire. Si le mec lit pas, il trouvera jamais. Donc, déjà, il a lu mes remarques. Et ça, c'est pareil con, mais il y en a un sur. Je pense qu'il y en a un sur 4 qui lit. La plupart, bah, il appelle. Magro, je te mets des explications, c'est peut-être pour en lire. Ça c'est le genre de truc qui met de bonne humeur, tu vois. Un livreur qui lit les conseils me met de bonne humeur. Il m'en faut pas beaucoup. Il y a un petit adversaire, ça pourrait être pas mal. Ah, yo. Je vais essayer d'éditer vraiment les structures de l'adversaire. Donc, autant que faire se peut. Ah, ça fait bizarre de pouvoir éditer les trucs d'adversaire, c'est trop bizarre. Vous en pensez quoi, vous les gars, de ce mode? Vous trouvez que c'est positif, négatif? Vous avez pas d'avis? Moi, pour l'instant, j'ai pas encore trop d'avis. Parce que c'est trop tôt, entre guillemets.
Oh là là. En plus, il a pas l'air mauvais, il joue sa vie. Désolé, mon pote. Hop là. Il a bien Magnum, ça, je l'ai bien vu. Oh là 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 là, ça va trop vite! Bien joué, ça. Bon, là, j'ai clairement utilisé le fait qu'on pouvait tirer sur les structures adverses. Mais ouais, c'est. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Je sais toujours pas si c'est une bonne idée. Mais en tout cas, c'est assez atypique, sa mère. Hein. Il m'a filé des roquettes, merci à toi, frérot. Hop là. Est-ce qu'il y a des balles là? Il y a des balles. Ça, regardez, ça, j'annonce, ça, c'est 4 roquettes, les gars. Il peut y avoir entre 2 et 4 roquettes. Super. Il peut y avoir entre 2 et 4 roquettes. Ok, yes. Pas du tout. Hop là. Je pense que c'est équipe probable en plus. Je pense que chaque truc a la même chance de drop. Pas mal, pas mal. Alors, je sais pas si c'est bien au final, hein. Là, on a juste vu une action. Parce qu'à mon avis, franchement, je pense que c'est vachement perturbant, ouais. Honnêtement, je pense que c'est pas une mise à jour nécessaire, mais c'est bien au moins qu'ils tentent, tu vois ce que je veux dire. Que ce soit bon ou une mauvaise idée, dans tous les cas, je trouve que c'est positif qu'ils tentent des trucs pour changer les trucs. Par contre, que là où je suis pas d'accord, faut pas qu'ils enlèvent des mécaniques de construction. Par contre, il y a des trucs qu'ils veulent enlever, par exemple, apparemment, on peut plus faire ça. Attends, je vais voir. On peut plus faire ça, apparemment. Alors, c'est les viewers qui m'ont dit ça, je sais pas si c'est vrai. Donc, on va voir. On m'a dit qu'on pouvait plus faire ça. Bah, ça marche toujours, ok. Vraiment, on m'a menti. J'allais dire, si on peut plus faire ça, c'est dommage. D'accord, bon bah. Ah non, attends. Allez, ah, il parlait de ça à mon avis, alors du coup. Alors on m'a dit qu'on. Alors non, pardon, c'est ça qu'on m'a dit que ça marchait plus, mais ils ont trouvé une feinte. Donc là, ouais, on se fait stuck maintenant quand on est comme ça. Ça, c'est vraiment de la merde. Mais ça marche si on fait ça. C'est assez. What the fuck. Ça, par exemple, tu vois, typiquement, je pense que ça, faut pas l'enlever, tu vois. Le fait de laisser ça, de pouvoir courir, etc. Alors maintenant, on va falloir faire ça pour pouvoir le faire. Mais je trouve ça pas ouf, tu vois, pour le coup. Ça, je pense que c'est pas bien d'enlever ça. Hop là. C'est trop fort en bullfight, c'est horrible. Genre tu chapeau, il est dit qu'il te tue, génial. Ouais, en vrai, je pense que ça va être vachement difficile de. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte encore à quel. En fait, c'est difficile de se rendre compte à quel point ça va changer le gameplay, mais ça va changer beaucoup de choses. Hein. Du coup, à voir. Mais ah, il y a un piège là, je crois. Un piège, par contre, c'est la vie. Hein. S'il y a un piège, j'y vais direct. Parce que les pièges, c'est juste trop fort. Il y a un mec là-bas. Donc c'est 7 kills pour avoir les points maximum. Première game dans ce mode. On n'a pas encore trop d'avis, mais. Donc, ouais, vous en pensez quoi, vous, les gars? Ah, ouais, j'ai donné le mur pour passer. Bien, ouais, j'ai donné... Ah, non, c'est pas moi, c'est un viewer qui l'a trouvé. Et c'est une très bonne idée parce que j'y avais pas pensé. Et bah, GG au viewer qui m'a dit ça sur Twitter. Il m'a dit ça marche plus, mais on peut tenter ça, tu vois. Et j'ai fait, ah, ouais, putain, c'est malin. Et franchement, c'est grave malin. Le problème, c'est que ça, typiquement, faut pas qu'il le corrige, ça. Pour moi, c'est le genre de truc, ça doit rester dans le jeu. C'est ça qui crée la richesse dans le jeu. Pour moi, c'est les techniques avancées, les trucs un petit peu tricky, tu vois. Un débutant verra pas la différence que tu l'enlèves ou pas. Et un bon joueur, il va peut-être kiffer de pouvoir faire des trucs comme ça, tu vois. Moi, je kiffe ce genre de technique, tu vois. Une technique un peu avancée, etc. Et même si on dit à la base c'est un bug, faut savoir que les deux tiers des techniques à la base ne sont pas imaginées par les devs. Les devs à la base n'imaginent pas les trucs que les joueurs vont faire quand ils vont trahir le jeu comme leur grand mort, tu vois. À 1000% que les mecs qui ont créé Fortnite, ils ont pas imaginé que ça pouvait partir autant en couille en termes de structure. Hein. C'est sûr. Et c'est normal en fait, c'est. C'est perdu avant, y'a que des devs partout, gros! Super, il m'a avec la taxe. Je vais faire backstab. Non, il m'a caissé mon kill! Ok, y'a un mec là-bas. Oh, c'est bizarre d'avoir que ces murs à soi, enfin que. Enfin, bref, t'as compris quoi. Non! Stay with me, baby! On y va. On le suit. Attends-moi, frère. Oh non, il a pris la montagne. Oh, le fils de pute. Bon, il a raison, hein, mais. Ah, je me fais attaquer par Père Rabord, gros. Il y a des avions partout, gros. Oh, le con! Attends-moi! Merci. Oula! Toi, avant, je t'avais pas eu. Ok, bon, laisse-moi recharger, s'il vous plaît. Ce coup, c'est moi. En vrai, merci à lui. J'avais besoin de maths. Hop là.
On va jouer 100 PM, hein. On va vraiment train le 100 PM et le Deagle Rocket qui est clairement, je trouve, le truc le plus fort. C'est fou cancer, mais en même temps, t'as pas trop le choix. Si tu veux, si le but du jeu, c'est de gagner à la base, t'es obligé de jouer les trucs forts. Donc ça, au bout d'un moment, on est obligé de train les techniques les plus cheatées. Et je trouve que c'est le meilleur combo d'armes. Là. Allez, en version dorée, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi celle-là? C'est quoi l'arme? Attends, c'est une... Ah, je croyais que c'était une AR dorée, je veux dire. Quoi? Ok, il reste 5 mecs. 5 hombres. Ah, j'aime trop avoir plein de maths, c'est trop bien. Ce mode, de toute façon, les modes de jeu comme ça où tu récupères des maths quand tu tues des mecs, ça c'est vraiment. Oh yes! Let's go! Oh là là là, je suis le boss! Suce-moi la bite! Allez, à plus. Là, est-ce que ce mec-là, je pense que là il s'est fait. Je pense que ce mec-là va me report sur YouTube, gros. Attends, on va danser. Je vais me prendre une balle de snipe. Je vais me faire karma, c'est sûr. Hop là. Got to be, I got no reason. Mais je suis full doré, gros. Je suis un mec en or, en fait. Allez, je prends ça pour avoir full doré, les gars. On est full doré, c'est stylé, tout ça, tout ça. Peggy 18, je te suce mon Sky. Eh ben écoute. Voilà, tu dis ça, il y a ma mère, sur le chat, fais gaffe, gros. Donc, maman, c'est pas ce que t'as cru. T'inquiète. Loin de moi toutes ces pensées malsaines. Je suis un homme pur, maman. Promis. Bon, alors, attendez. Il nous reste deux tout personnales. Donc là, je suis en train de partir mes couilles et je cours au milieu de la pampa. Je vais me prendre une grosse balle de snipe dans la tête. Je vais être un peu au fond dans ma vie dans, là, dans 10 secondes. Bon, ils sont les people là. Oh, on peut créer maintenant dans les. Je sais pas si on peut créer de base, mais. Les gars, c'était comme ça avant ou pas? Parce que je connais pas beaucoup Fatal, mais on pouvait créer dans les. Parce que là, s'ils corrigent les problèmes, on peut pas construire de base. Tu sais, il y a plein d'endroits dans le jeu où en gros. Y a un mur de fils de pute et tu peux pas construire. Et bah s'ils ont corrigé ça, c'est génial, gros. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment casse-couille, je trouve. Ma mère est choquée. Non, mais ça va, ma maman, elle. Je suis un homme pur, putain. C'est new. C'est nouveau, ça? Ah, ça, pour le coup, c'est vachement bien. Parce que franchement, combien de fois je suis mort parce que je suis à Paradise ou je suis dans des villes de merde. Et à côté d'une fucking maison, tu peux rien, tu peux juste rien build au niveau des. Comment on appelle ça? Des toits, genre. Par contre, ils sont où là les mecs là? Ils se touchent la queue ou? Pas pour être méchant, mais là, montrez-vous quand même. Ah, il y a un mec là-bas. Débarre, il fait comme moi, genre. Copieur. Ok, on est contre Mad Podcast, nickel. Mad Podcast en finale. Oh le con! Il est sérieux lui? Non, mais ça, c'est interdit par la loi quoi. Attends, attends, un truc. Hop, on va s'appuyer sur mon clic gauche, nickel. Oh, il se fait fouler par les deux. T'as un HP, laisse-moi te finir. 1000% il crève par l'autre. Non. Le Bloom m'a quand même bien cassé les couilles, hein. Je le voulais, il avait plus de vie, donc... This is the 1v1 situation, yes. Allez, hop. 1v1 jump. Oula, il veut me laver le cul, lui. Ah, ils font le même shoot pour homme ou pas? Ah, oula, par contre, ça c'est pas cool ça. Oh, t'es un bon gros bâtard ça! Oh le bâtard, je m'en bats les couilles, je fais une technique de fils de pute, mais vas-y. Oh, vas-y encore, vas-y, Nick. Hop là, allez, ça dégage. Technique qui m'a bien sauvé la vie. Oh, il peut tout éditer. Ah, ça sert à rien que je le bloque en fait. Salut. Yes. 9 damage, man. Je te mets tous tes grands morts, hein, je te le dis. Hein. Cadeau. La zone, ok.
Il va pas mourir lui, hein. Ah, c'est pas beaucoup de structure en vrai. Ah, j'ai pas bu le fight, gros, j'ai pas assez de maths. En vrai, j'ai plus beaucoup de maths là, hein. Je suis bien dans sûr. Hein. Il a plus beaucoup de vie, mais il peut clairement me tuer. Oh le bâtard! Ah, il y a une montagne. Oh là là, baby, let's go! En plus, la montagne m'aurait bien cassé les couilles là. Hein. Remonter la montagne comme ça, c'est bien le pire truc. Hein. Donc. Bien joué à lui en tout cas, c'était bien cool. J'ai bien kiffé la technique au lance-grenade là. Quand j'ai bien visé le sol pour pas qu'il puisse me toucher. Tout simplement, code carrière dans la boutique. Envoyez-moi les skins sur Instagram et followez-moi. Activez la cloche sur YouTube. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Une Xbox et une PS4 à gagner, une Switch. Donc, choisissez. Bref, j'espère que vous avez bien kiffé, les gars. Portez-vous bien, c'est Sky. Donc, première game, première victoire, c'était cool. Le mode architecte, sympathique hein, de pouvoir aider tout le monde. À voir du coup dans les vrais games comment ça va se passer. Est-ce que ça va vraiment être positif ou pas.